partie de Lola. Eh oui, moi j'étais Lola. Voilà. Exactement. La grande Lola, vous reconnaissez sa voix. Hein. Oui. Et lui, c'est le compositeur. Très important parce que... Lui, Papa Diamandis, il s'appelle. On l'appelle Papa. Voilà, alors, c'est mieux. C'est lui, c'est mieux que ça. Bourré de talent, bourré de talent. Ah oui. C'est le seul qui en prend encore de nous trois. Hein. Il en prenait déjà à l'époque. Mais là, nous, c'est le musicien, mais nous, on est quoi, en fin de compte? Nous, comédien. On est comédien. Comédien, ah oui. On travaille avec nos cordes vocales. Eh oui. Alors qu'on n'a pas intérêt à être enrhumé, sinon c'est le chaume du. Hein. Enfin, on s'en fout, on prenait du miel, un jaune d'œuf dans le derche, et hop, on partait dans, comme à 14. Hein. On va pas trop déconner. Allez, on la refait depuis le début, sérieux. Non. Ouais, alors Jean-François Deveau. Jean-François Deveau, Groucha, chalut. Chalut Montpellier, salut la place de l'œuf. Voilà, Stéphane, le petit prince, où là, on a une pêche olympique. Et puis, ça fait plaisir de retrouver ma copine qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Qui s'appelle comment? Maria Laborie, bien entendu. Maria Laborie. Maria Laborie. Oh. Voilà. Ouais, super. Bon, elle avait un petit hoquet, okay, là, c'est pas grave. J'ai joué plein de tragédies, j'ai joué plein de comédies, j'ai joué plein de films, j'ai tourné, j'avais déjà, quand Téléchat est arrivé, j'avais déjà tourné deux films en Italie. Oui, en Italie. J'avais fait plein de choses. Si vous voulez, je vous donnerai un, je l'ai apporté, un curriculum vitae. Alors moi, avant, et avant, je faisais rien, donc j'ai fait ça, et après, je faisais plus rien non plus. Mais je vais vous dire un truc, je vous emmerde à tous. Non, je fais l'inspecteur Jean-Vie dans les Maigrettes, c'est que je passais entre le mur et l'affiche. Hein. Et Jean-Richard, il était dans son bureau. Non, mais il était très bien en plus, c'est vrai. Ah ouais, dans les Maigrettes, mais c'était le cinquième inspecteur. Là. Tu gagnais moins que... Je gagnais pas grand-chose non plus, mais là, c'était assez oui, court. Jean-Richard avait une demi-pâte. Écoute, d'ailleurs, Téléchat, ouais, c'était l'art. Tu me l'avais dit, d'ailleurs. Non, mais on l'entendait sur toutes les radios, partout. Non, c'est vrai. Après, j'ai fait un peu de lessive. Et là, à ce moment-là, là, de l'anonymat, je suis passé à la corde vocale à du hard selling, ça s'appelait. Je vendais des couches-culottes, des campagnes, tout ça sur le même ton, mais ça y allait. Même des fourrures, hein. Les fourrures de la Madeleine. Putain, ça y allait, un manteau à 9500 francs. Fourrures de la Madeleine. Les mecs arrivaient, 9500 balles comme une salade. Ils vendaient ça comme de la laitue. Mais. Et mon épouse, d'ailleurs, un beau manteau en renard argenté. Qu'on n'a pas payé, que j'ai payé. En plus, je l'ai payé, c'est lamentable. Bon, enfin, bon, j'ai gagné. Et puis, c'est grâce à ça, je pense que j'ai fait Groucha. Elle a un parcours assez classique, elle. Classique, beau texte, belle chose. Moi, c'est la pub, donc. J'ai chanté une pub grâce à Téléchat, d'ailleurs. C'était « Je m'appelle Brise, longue durée, dans les goguenots, je suis votre aile. Je m'appelle Brise, longue durée, dans les goguenots, je laisse planer un doux parfum frais et léger. Brise, longue durée de Johnson, 3,15 francs, la boîte de 12. » Eh bien, je te jure que celle-là, elle est passée. C'était pas dans les goguenots, c'est dans les WC. Oh là 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 là. Voilà, elle a fait des trucs chansons classiques, moi, c'était encore de la lessive, quoi. Et véridique, hein. Et chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, qui est matériaux. Oh, ça y allait, mon pote. Mais ça, c'est Groucha. Ça, c'est pareil. Ouais. Donc, vous voyez, c'est la distinction. Mec, bien du terrain, du terroir, du béton et du ciment. C'est bon. C'est pour ça que tous les deux, c'était quelque chose. Hein. Alors, ah, oui. Ils nous ont bien choisi. Hein. Bon, ça, grâce à papa, hein, ma poule. Vas-y, mon papa, on t'écoute. De toute façon, t'es oui, sur lui, là. Oui, on t'écoute. Non, mais papa. Il y a un gros silence quand je parle, j'ai remarqué. Alors que toi, quand tu parles, tout le monde s'en rigole. Pourquoi? Mais là, mais on n'ose pas trop rire parce que t'es le plus âgé, t'es le plus riche. Non, je suis pas plus âgé. Bah, moi, je suis compositeur. Je fais des musiques pour Eddie Mitchell, principalement. J'ai fait pas mal de succès avec Eddie. Couleur Mentalo, dernière séance. Sur un casting de voix qu'ils ont fait, ils ont rencontré 350 Lola, je pense, et j'ai été choisie, voilà. Oh. Ouais, 350, et moi, il a parlé de moi, oui, mais... et ils n'ont même pas fait d'essai, hein. Ils m'ont vu arriver. Qui il et... Qui il ouais. Bah, Henri Xoneux, le réalisateur, voilà. Et Roland Topor. Voilà, c'est papa qui a parlé et de Eric moi. Van Buren. Eric Van Buren. Par contre, avec lui, on discutait la galette. Alors c'est vrai que c'était assez difficile. La première année, on n'a pas eu grand-chose, mais la deuxième année, ils ne pouvaient pas nous jeter. Alors là, on a pris le paquet. Hein. Pour ça, ils ont parce qu'on était devenus des stars. Ah, on était devenus des stars, voilà. Puis maintenant, on est retombé un petit peu dans l'oubli. Mais enfin, ça fait du bien aussi d'atterrir. Là, c'est les poubelles, là, maintenant. Hein. C'est les poubelles. Bon, enfin, il n'y a que papa, lui, ça marche bien. Je l'ai fiancé à une jeune fille qui était amie de Topor.
Et on s'encontrait donc très souvent à la coupole. Et on avait décidé de travailler ensemble. On avait essayé de faire des choses, des chansons, des pubs. Ça n'avait jamais marché. Et puis, lorsque cette histoire est arrivée, je suis arrivé comme ça. Quoi. Galette, mon pote. Et moi, parce que j'avais jamais joué une autruche et ça m'intéressait. Et moi, j'aimais bien le lait, surtout. D'approfondir quoi. La psychologie des autruches, que j'étais une autruche. Oui, oui, elle a raison. Mais elle, tu la vois, de dos ou de profil, c'est autruche. Et en plus, non, elle a la voix. C'était écrit pour toi, c'était écrit pour moi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça, mon fils? Il y a un truc qui était le top, c'était les chats, le reste, c'était de la merde. C'était salement en avance, hein. C'était oui, de toute façon, avec le temps. Oui. Oh ouais, c'est vachement en avance, là. Oh là là, parce que c'était une rigolade réjouissante, un petit brûlot poétique, une invention à chaque mot, des trucs qui sont restés depuis, chalut, pestacle, ça vient de Téléchat, pestacle. Même dans les supermarchés, ils le mettent maintenant. C'était... Ça avait influencé même les journaux, je me rappelle, ah, oui. Dans Libération. Libération, exactement. Le langage avait complètement changé à la suite de Téléchat. Exactement. Et ils avaient fait une semaine, il y avait la semaine de la télé, et c'était Lola et Groucha qui présentaient, tu te souviens? Ouais. Non, je rigole. Non, c'est vous faites œuvre sociale, je pense, en sortant Téléchat. Hein. Ouais, on va vous renvoyer l'ascenseur. La grande guerre contre la bêtise. Je dirais que c'était la série intelligente de l'époque. Ouais. C'était déjà un autre degré Ah oui. Que toutes les autres, tous les dessins animés qu'il y avait. Oui. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de dessins animés japonais. Oui, c'était le début des trucs de Dorothée et compagnie. Là. C'était une charge vraiment subtile et aiguë de toute la bêtise de la télé. Parce que bon, les gosses apprenaient des choses. Bon, parfois, ça leur passait un peu par-dessus la tête, mais... Oui, le gluon, c'était la dernière partie de la matière. C'était Henri Xeneu et Roland étaient amis avec Prigogine, qui est un prix Nobel de physique. C'est lui qui a découvert le gluon. Ah, bah là. C'est ce qui relie les plus petites parties ouais, de c'est la. C'est la plus petite particule. Mais c'est la ce qui relie les plus. Oui, c'est la plus petite particule. Et donc, j'étais très fière parce que mon désir de connaissance. Moi, je m'en rendais cadrait pas compte. Parfaitement avec ce personnage. Ah ouais, d'accord. Moi, j'étais un peu primaire. Oui. Je disais ce qui était écrit, mais c'est le principal. Hein. Là, avec Rouchel, elle n'est pas trop là-dedans, mais enfin, avec elle, ça permettait de se lever un petit peu. Et lui, quand il arrivait, ça redescendait pas mal aussi. Mais on savait pas que c'est moi, je savais pas que ça m'a assuré autant de succès, quoi. Et voilà, c'était un truc de prestige. Tout le monde le dit, mais c'est un truc de prestige, quoi. Et moi, qui suis un gars de terrain, un routier, qui aime bien. J'ai un franc-parler et tout, moi je trouve que c'est génial ce truc. Non, mais en alors plus, avec on a elle, pas avec tellement elle, l'occasion. Qui est la classe même. Je veux dire, c'est la seule occasion, moi, dans le temps, c'est la seule occasion que j'ai eue de faire ce genre de choses. Je veux dire, aussi inventif en plus. Oui. Si vous voulez, c'était plus avec Xeneu et avec Henri Xeneu et Topor. Sur les préparatifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné un synopsis avec des textes qui étaient plus ou moins bien adaptés, qu'on a remanié après, suivant... on a recadré, si vous voulez. T'avais nos photos? T'avais les esquisses? Non, mais t'avais les personnages dessinés, ils t'avaient filé ça aussi pour composer. Ouais, c'est bien d'avoir la gueule des gens. C'est vrai, absolument. Mais lui était vraiment en amont, hein. Oh là là, on l'a plus vu beaucoup, nous, hein, une fois qu'on a bossé. On a chanté, on a essayé de chanter. On a surtout chanté en groupe. Groucha, c'était difficile de le faire chanter. Alors, puis le personnage qui faisait Groucha était difficile. Il est encore de ses conneries. C'est vrai que j'ai pas fait une grosse carrière. Hein. Ça m'a plutôt enterré qu'autre chose, mais la carrière dans le disque. Bon, enfin bon, j'étais dirigé par papa, j'étais content. Il me faisait chanter ligne par ligne, si c'est pas mot par mot, toi. Comme un chanteur. Sur tous les toits, stop. Et je l'envoie sur tous les toits, je me promène. Ben moi j'ai chanté, je chante depuis longtemps.
J'ai chanté dans les spectacles, j'ai chanté dans l'Opéra de Katsu. Ouais. Et moi j'ai chanté une pub, j'ai chanté et, dans grâce des à ça, spectacles oui. de la Vélie. On était bien, on était tous les quatre, on était 4-5 maximum. Il y avait François Géraud et Nuno Rejoindre pour faire le lapin. Mais sinon, il y avait la nana là, qui faisait tout le monde. Valérie, Philippe et nous deux. Hmm. Je ne dis pas de conneries, on était souvent quatre. Oui, et ça, enfin non, on était le plus souvent quand même. Autour de la table en bas. Souvent tous les deux. Oui, on était souvent tous les deux aussi. Oh, oui. Il arrivait que je retire le bas, non? Non. 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 Elle faisait oh, vous oui. Non, non. Moi, je n'acceptais pas, absolument. Non, je rigole. Il faisait chaud, il faisait très chaud là-haut. Et comme, comment il s'appelle, Henri était souvent. Henri et Roland d'ailleurs. Et Roland, oui, mais enfin. Roland c'était la vodka et Henri c'était le whisky. C'est ça, oui. Et Henri c'était la bière aussi, pas mal. Hein. Oui. Ça c'était surtout au déjeuner, quand on déjeunait voilà. Avant. Et comme le petit studio était nettement en dessous, on levait la tête pour les voir. Oui. Et si on levait la tête, il était par là, lui. Avec l'ingénieur du son, ça tournait à vide et lui était parti chercher une bonne bibine, il revenait, il écoutait, ah, c'est bien. Oh, c'est bien marré quand même, bordel. Oh, plus que se marrer, on a et adoré. On a fait ça 3 ans, on bossait un mois et demi, c'est tout. Hein. Mm. Un mois et demi par an. Là, on faisait tout là, ouais. Tous les jours. Mais tous un les mois et demi de bonheur, de réjouissance, de plaisir de l'esprit. Enfin, c'était génial. On se voyait, on faisait des petits dîners ensemble, on se recevait un petit peu, ouais, je me rappelle. Ouais. Et après, quand ça s'est terminé, tout ça, tout le monde est reparti dans son coin. Et grâce à vous, on se revoit, tout ça, c'est bien. Ouais. On changeait pas un mot. Hein. Ah, pas un mot. On n'avait pas le droit. Pas un on n'avait pas besoin d'ailleurs. Non. Comme on était vraiment les personnages, aussi bien lui le chat Groucha et moi Lola l'autruche. Et Henri disait simplement souvent va plus lentement ou va plus ou vite va en plus fonction vite, du chrono, ouais. Mais le reste, les intonations, c'était bon. Liberté absolue. Hein. Liberté absolue, ce que je vous disais tout à l'heure. Liberté à la création absolue. Liberté hein. Absolue. Simplement, on avait une minute ou deux minutes. Même pas, enfin, 30 secondes pour chaque scène. Voilà, et qu'il y avait des épisodes qui faisaient, je sais pas, 3-4 minutes, pas plus, non ouais. Non, c'était 5 minutes. Mais en fin de compte, on avait le chrono dans la tête après. Hein. Oui, après, c'était automatique. Et dans la pub, il faut l'avoir aussi, le chrono, il faut parler en 30 secondes, il faut dire des conneries. Donc moi, j'ai fait un chrono dans l'air, alors ça y allait, c'était bien. Non, mais on avait un chrono dans la tête, c'est vrai. Oui, c'était... Toi, tu l'avais dans la tête, moi, je l'avais ailleurs. Enfin, un bon réveil matin. Non, comment tu savais que je l'avais c'est vrai qu'Henri ne regardait pas trop le chrono. Il ne fallait pas dépasser, sinon si on faisait 8 minutes, il ne pouvait pas monter comme toi tu vas monter. Il n'y a plus de rester grand-chose. Hein. S'il y avait Henri là, avec Roland, assis là. Ah ouais. Et Roland, il ne parle pas beaucoup. Enfin, il se marre. Le rire de Roland, c'était une merveille. Ouais. Où qu'il soit... Qui s'il pouvait faire quelque chose, revenir, en tout cas on leur envoie un grand chalut de cette terre un peu malade où ils étaient des éveilleurs de conscience. Voilà. Moi je dis merci, hein, là et puis, de toute façon, hein, je viendrai vous voir bientôt, si ça continue, je vais arriver assez rapidement. Et gardez-moi une petite place quand même, parce que j'ai une bonne torche, mais bien, hey. On discutera un peu le pognon, parce que la vente de Rennes, difficile, hein. Ok. Non, mais voilà, c'est tout, il manque un max, quoi. C'était vraiment des mecs. Oui. Ouais. Parce que Roland est vachement connu, mais Henri Sonneux... Ouais, c'était une merveille aussi. C'était une merveille, il est beaucoup moins connu. Mais je pense qu'il n'avait pas été là, Henri, Roland, il n'aurait pas fait la série, il n'aurait pas continué tout seul. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est grâce à eux, hein. Tout s'est fait grâce à eux. Mais il paraît qu'ils partaient en vacances tous les deux pour écrire, non, les épisodes oui, absolument, absolument. Ils s'enfermaient, soit ils allaient sur la côte, soit, c'est fabuleux, Roland quittait tout, Henri aussi, ils allaient bosser, tous les deux. Ça devait être quelque chose. Hey, mais alors, ils ont pondu quand même quelque chose de bien. Alors un petit mot, vas-y, sur Henri, et puis voilà, moi je vous t'embrasse. Moi j'ai forcément une tendresse plus importante pour Roland que j'ai... vu plus longtemps après même et que j'ai côtoyé parce que d'abord c'était l'ami de ma femme et c'est le mien aussi et j'ai passé des soirées dans les caves à vin ça devait être quelque chose on buvait des coups jusqu'à 6h du matin bon, ça laisse des traces quoi. Et Xenu aussi ils allaient bien ensemble ils se sont bien rencontrés ces deux là tout à fait ils étaient parfaits tous les deux. We'll be right back.
Il n'y a qu'une télé, c'est des téléchats. Oh merde, je ne me rappelle plus la suite, dis donc. Vous avez qu'à quel je l'ai apporté, le disque. Tu l'as, ouais, ouais. Oui. Bah, j'ai retrouvé les fiches de paye d'Adès Film. Hein. On lance pierre sur ce coup-là. Ils en ont vendu 700 000, on a pris 200 balles chacun, on est parti, on était là. Et Van Buren, Henri était la bibine, Roland, et comme tu dis à la vodka, prends. Elle dit, combien t'as? T'occupe pas, prends. Enfin, tout le monde, j'ai regardé, c'était nul. Tu l'as jamais dit d'ailleurs. Tu l'as jamais dit. Je me suis fait avoir quand même. J'ai jamais dit. J'ai retrouvé les fiches de paye là. Oh là là. Hadès Film aussi. Hadès, les vieux. Oui, Hadès, on va faire un petit disque. Tu te rappelles, les vieux là? Oui, vous allez signer là, les mecs. Oh. Alors, gros chien, 100 francs au-delà d'un million de disques. Alors, il va pas. Un million de disques, c'est vite fait. Alors, lui, il en faut cul. Ouais, ouais, c'est bon. Alors, je vais essayer. Merci, monsieur Lou. J'ai retrouvé les fiches de paye d'Hadès. Ah, de la Trinité, il était. Putain, il nous a bien torché, celui-là. Ouais, ouais, c'est on s'est fait torcher par Van Buren et Hadès.